Salut tout le monde, c'est Spartan 3173, on se retrouve pour une petite vidéo sur World of Tank avec le KV2 sur la map El Alouf. El Aluf ou Alouf, enfin bref. Donc voilà, donc tout d'abord, donc comme tout Charlour vont au défilé. Donc moi je vais au défilé là-haut, je ne reste pas en position. Parce que j'aime très peu rester en position. Pas genre d'une personne à rester sur une map à attendre que ça se passe. Après ça dépend si genre je suis sniper, bon là je suis ok. Mais vu que j'y suis pas. Le rôle du KV2 c'est pas d'être vraiment sniper, c'est plutôt essayer de mettre bien son obus quelque part. C'est bien gérer son truc et tout. Bon, le KV2 n'est pas très rapide, hein, comme vous le savez. Sa tourelle est un peu grosse, donc si vous avez des cailloux à sa hauteur c'est bien, autrement si vous en avez pas c'est très chiant. Donc il y a la 8.8 qui est sortie, donc avec les pas trop mettre ex... en fait si on peut mettre ces modes, en fait c'est plus Guy Flash comme avant, c'est Guy je ne sais trop quoi, c'est ce qui fait que bah on peut réinstaller tous les vieux modes qu'on avait avant, c'est juste que bon bah maintenant voilà quoi, c'est juste que faut que je retrouve mes vieux modes où je les ai foutus. Voilà. Ah. J'ai pas, c'est pas la structure, bon c'est pas grave, frais avec hein, c'est 27%. Bon attendez, hop, je vais le faire hein. Excusez-moi, bah ça peut se garder, bon c'est pas grave hein. Quoi qu'attendez, je vais le faire, j'en ai pour 5 minutes. Hop, tac, et voilà. Merci. Voilà, excusez-moi pour ce petit malentendu. Ok, bon, c'est pas grave, hein. On n'y peut rien, bon. Enfin bref, vous voyez que... Bon, je ferai ça plus tard, je sais pas pourquoi ça bloque. Donc là, je vois un petit Wolverine que... En fait, le Wolverine, je me suis fixé comme objectif, lui, il faut que je le nique. C'était tôt. Voilà, c'est ça, mon objectif, niquer le Wolverine dès le début. Ça va être lui le plus embêtant comparé au T-34, ou au Heitzer, ou... n'importe quel autre chat. Par contre je vais pas le one shot, donc je le dis tout de suite hein. C'est pas con. D'ailleurs il lui reste 34 points de vie, je m'en souviens très bien. Je le vise et là il lui reste 34 points de vie. Alors regardez, non, 30 points de vie, 30 points de vie avec un obus explosif du KV2. Des fois je one shoot un T34 qui a 600 points de vie, il lui reste plus que 600 points de vie, je le one shoot. Un pauvre Wolverine, j'arrive pas à le one-shooter. La dernière fois, j'ai failli shooter un TOC 2. Il était à 800 points de structure. Et... Parce que, regardez, mon équipe quand m'avait un peu infligué. Et j'ai enlevé 900 points de structure. Pour vous dire qu'il a eu un peu mal. Après, c'est par... Après, j'ai fini mon tir et hop, il était mort. Donc... Enfin bref, voilà, donc bon là, c'est vraiment deux kills, là pour l'instant c'était deux kills faciles, hein. Pauvre M7, hein. Bon le Wolverine, je suis un peu déçu de pas l'avoir terminé, j'ai pas compris mon obus, et pourtant, je sais pas, j'ai pas compris mon obus, pourquoi il a pas pénétré, pourquoi il a pas fait un one shot, je n'ai pas compris. Donc, bon là, la capture de la base est à 25, hein. Bon là, on menait un peu bien contre deux kills qu'on... On avait deux kills d'avance, que là non, on a juste un kill d'avance. Donc là, la T2 capture, donc la T2 ennemi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc là, un stoop 3. Donc, je me suis dit, oh non, je vais pas aller au cap, hein, ils sont assez nombreux pour se débrouiller. Je vais plutôt détruire le stoop 3 qui embête les gens. C'est plutôt ça. Donc, hop, le petit stoop 3. Et là, et boum, il n'y en a plus. Bon, donc là vous voyez, quand même j'ai one-shooté, pardon, le Stuk 3, mais pas le Wolverine. Je suis encore perturbé. Ouais, par contre j'aime bien la petite horloge là, que j'ai mis là, je sais pas comment il est venu ce mode en fait. J'ai pas, sans le vouloir, j'ai pas voulu l'installer. Donc enfin bref, je l'ai, je suis bien, comme ça je sais quel jour on est, quelle heure il est. Et puis en plus c'est du russe hein. Donc voilà, je sais pas ce que c'est écrit. Et puis comme ça mes pings je les vois un petit peu mieux. Je sais quand ça bug parce que le petit point rouge il est pas trop. Mais en fait tout ça là, tous les ce mode là, j'ai pas voulu l'installer en fait.
Moi, c'était juste la minimap et puis voir où étaient les ennemis. C'était juste ça en fait, moi c'était. C'était juste pour ça en fait, mais bon, voilà, c'était juste pour la minimap et puis voilà. Bon, la Panzer Katara, je ne sais plus si je lui fais mal ou quelque chose comme ça. Franchement, bon, c'était des petits kills, hein, mais voilà, voilà. Franchement, j'aurais peut-être dû le laisser. Donc là, on est à quand même très peu, donc je vais leur dire un message, je vais arrêter de caper, parce que bon, là, ouais, il reste plus que des petits chars, sous 3, sous 80, sous 85, bon, voilà, quoi, c'est pas des chars méchants. Voilà, j'aime jamais moi j'utilise tout 3 en ce moment, je sais pas pourquoi. Je leur dis stop cap, quoi. Bon, là, par contre, sous 85, quoi, je suis un peu déçu, hein. Je vais le voir de shooter. Peut-être dû m'occuper d'abord du sous 85, mais bon. Voilà quoi. Donc. Voilà. Bon là, il n'y a rien d'exceptionnel, franchement. Par contre, c'est pas en fait le nombre de dégâts. Hein. C'est surtout le nombre de kills que je fais. Bon, par contre, je vais m'en vouloir de pas faire 8 kills. Voilà, il reste 2 chars. Et vu que là, j'étais assez stressé, je me dis 6, il reste plus que 2. Le M6 est assez loin. Et le L4, et non, je veux dire le Panzer 3-4, ils peuvent. Et puis là, j'ai dit, bon, là c'est bon, là, j'ai dit. Le stress. Donc là, je vois un VK. Donc je dis, putain, faut que je descende. Hop, non, j'aurais peut-être dû descendre, franchement. Donc là, je me dis, putain, faut que je l'ai avant le M6. Et là, mais tellement que j'étais stressé, j'ai même pas attendu. La mise au point, quoi. Je suis débile, faut le dire, je suis débile. Je vais avancer parce que bon, là je vais voir le L4 et puis il va voir longtemps avant que j'arrive. Donc voilà, donc là je fais la mise au point, j'avance. En fait, j'étais tellement stressé par l'idée de si je vais l'avoir ou pas, que je me suis dit, ça se trouve le L4 ça peut m'avoir, hein, tout simplement, hein. Donc là il loupe son tir et voilà, là ça va être non, on va avancer encore. Donc là, en fait, le L4 a voulu me contourner, mais moi je suis pas con, hein, j'ai pas dit, tiens, je vais avancer. Non, non. Lui, par contre, est assez con. Parce que, je sais pas, bon, de toute façon, il était foutu, hein, franchement. Voilà, bam, 7. Bon, voilà, j'étais un... Donc là, il me dit GG, c'est très gentil. Mais en fait, j'étais un petit peu stressé par le VK, en fait. Je voulais tellement l'avoir que c'était stressé. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, il y a les résultats, j'ai fait, bon vous allez voir le nombre de dégâts, le nombre de dégâts est pas énorme, hein, mais on s'en fout, c'était le nombre de kills que je voulais vous montrer. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et un jour je vous ferai une vidéo de présentation sur KV2, comment le jouer. Et j'ai débloqué le sous-122-44 où je ferai une vidéo de présentation dessus. Et je vous dis à la prochaine, et mettez un j'aime, un commentaire, et abonnez-vous pour les nouveaux, et puis merci à tous ceux qui me suivent, et puis vraiment... À la prochaine.